11 000 euros est fini. Je n'ai plus jamais parlé de lui. On est bien d'accord. Non, mais on peut réclamer sans insulter. Non. Est-ce que... Tu connais le clash. D'accord. Bon, tu connais que quand le clash plante une barrière. Non, mais le clash. Bon, aujourd'hui, c'est ce que j'ai demandé. Aller à la CAF ou bien à la police, ce n'est plus le clash. Ce n'est plus le clash. Non, c'est ce qu'elle t'a dit que. C'est pour ça qu'elle t'a dit que quand un clash est déjà activé, on ne regarde pas. C'est nous les acteurs. On ne regarde pas la plupart du temps les dégâts. Est-ce que tu crois que ces personnes-là sont capables aussi de mourir pour toi comme cinq jours? Je suis très loyal et je suis très droit. Ça veut dire que quoi? J'ai défendu Flore dans un truc précis. Mm-hmm. L'affaire est finie. Amot est revenu porter plainte. Qu'est-ce que je fais? Je me défends. Juridiquement. Et j'ai bien dit, depuis que le clash de Flore est fini, je n'ai plus jamais prononcé son nom. Si c'est pourquoi? T'entends le Lot Timis aussi un plateau de paix. Non, parce qu'il ne faut pas confondre que je suis en guerre avec lui. T'entends le Lot Timis aussi un plateau de paix. Et je vois que tu es un homme aujourd'hui épanoui, un homme heureux, parce que tu as trouvé ta pèlera, ton âme sœur. Quel est le message que tu peux envoyer au président Amot aujourd'hui sur la Tata Lolo TV? Un message vraiment. Nous avons nos pourparlers au tribunal. Mais, à part ça, je ne vois pas où j'ai un problème avec lui. La preuve, j'ai toujours dit, je vois sa femme passant en rouge, je lui dis bonjour. Mais, ce n'est pas comme quoi je vais voir président Amot en route, je vais l'agresser. Non, on est dans les... quand on sort des réseaux sociaux, on a un cadre normal. Dans les réseaux sociaux, on a nos affaires juridiques, mais quand il passe là quelque part, je lui dis bonjour. C'est pas que j'ai... Quand une affaire finit, Lolo, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Combien de fois j'ai clashé combien de fois j'étais clashé, toi? Ah ouais. Combien de fois j'étais clashé? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu vois le président Amot, c'est le bonjour. Mais je lui dis bonjour. Tu vois un peu? Moi, je sais pas. Ça veut dire que... J'aimerais bien que dans le futur, tu clashes à président Amot par rapport à toi. Pas non, peut-être parce que tu parles de quelqu'un. Pour que je le clash par... Non, je vais te dire. Il m'a fait quoi pour que je le clash? J'entre quelque part parce que il y a un problème à ce moment-là de 11 000 euros qui est là. J'entre dans ce sujet pour que les dos sortent. Une fois que les dos sortent, je ne suis plus là-bas. Non, mais non. Le problème, c'est que quoi? Quand Flore sort cette histoire et que ça voit l'ampleur, tu comprends, non? Le lendemain, ça vient et elle dit « Amot n'y est pour rien ». Tu comprends? C'est en ce moment-là, moi, je te dis, à main, Flore dit, Amot n'y est pour rien. Laisse Amot tranquille. Parce que j'ai fait des directs pour te faire comprendre. Oui, j'avais fait des directs. Non, je vais te dire quelque chose. Il faut qu'on soit clair. À partir du moment où Flore a fait son truc avec Jaguar au McDo, là, machin truc, il n'a plus jamais parlé de lui. Jusqu'à ce qui montre son guet-apens avec ses complices, je n'ai plus jamais parlé de lui. Parce que... Ça veut dire que... Non, écoute un peu. Ça veut dire que quoi? Une fois que l'affaire finit, si tu viens me dire que, oh, Amer, Kamer, ce que tu as fait là quand même, je n'ai pas prévu, je dis que non, gars, c'est bon, je m'excuse, l'affaire continue. Non, Amer, Kamer... Tu vois un peu. Maintenant, quand ça... Parce que les gens ont, par exemple, l'impression que non. Je pense qu'il n'a... Je n'ai pas un problème particulier avec lui. Je me défends. Mais tu l'as offensé quand même. Mec. Quand on fait dans les clashs, on offense les gens. Mais tu clashes avec quelqu'un. Non, mais qui te défends. Est-ce qu'il t'avait provoqué? Quelqu'un qui t'a pas clashé avec un mec. Est-ce qu'il t'avait provoqué? Non, disons-nous la vérité. Gars, si tu peux dire quelque chose là-dessus, tu peux pas clasher quelqu'un qui t'a pas clashé. Soit disant que tu défends quelqu'un. Parce que quand ces gens-là vont faire les réconciliations, ils font d'appel. Non, posons une question. Est-ce qu'il y a qui m'a provoqué? Non, tu dis tu te défends. Tu te défends pas. Je vais défendre quelqu'un. Est-ce qu'il y a qui m'a provoqué? Quand tu dis tu te défends, tu es sûr de la personne. Non, quand il dit que je me défends maintenant, ça, on a un truc dans le cadre du clash. Là, maintenant, je parle de la procédure juridique. Non, on a compris. Bon, maintenant, dans le cadre de la procédure juridique. Oh, c'est que tu peux, il y a certaines positions que tu peux prendre parce que c'est une affaire qui est en justice. Voilà. Mais tu reconnais quand même que quand il y a le clash, tu vas loin. Mais mon travail, c'est d'aller loin. Eh bien, même sur quelqu'un qui t'a rien fait. Mais c'est la victime, non? Ok, donc et pourquoi okay. Et pourquoi pas Réré vient se mêler quand on t'apprend de mêler les la même chose.
Quand on te met des menottes, pourquoi pas rire sur le clou abattu. Le nom là, pardon. Non. Reste avec le nom là. Non, j'ai dit pas rire, je n'ai pas prononcé. J'ai dit pas rire. Tu comprends? Non, le problème, il y a un truc qui se passe. Il faut comprendre quelque chose. Vous venez te sauver alors que tu dis que. Je vais te dire quelque chose. Il y a beaucoup de, vous voyez, beaucoup d'aspects que vous ne comprenez pas. Juste. Le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes au Cameroun. Regarde-moi. Au Cameroun, c'est ce qu'on appelle la guerre des réseaux. La guerre des réseaux, que vous le voulez ou pas. On a eu le cas dernièrement, ça ne fait même pas une semaine. Ça veut dire que quoi? Si vous êtes dans une affaire qui n'est pas claire, c'est celui qui a le plus de relations qui abat l'autre. Parce que les affaires ne sont pas claires. Mais on entre maintenant dans une procédure. Je clash Amoud pour que les dos de Flore sortent. Et c'est Amoud qui a épuisé son argent. Non, je casse Amoud. Pourquoi? Vous allez comprendre. Parce qu'il intervient. Bon, il intervient. Sa femme, sa femme était à quel état? Elle était à 9 mois presque à terme de sa grossesse. Est-ce que je savais que non, il avait plus du temps pour intervenir. Hein. Non, il a intervenu 2 jours après. Oui, 2 jours après, mais oui, ça passe. Et c'est quand il intervient que moi j'interviens. Ah bon? Regardez bien. Mais est-ce que tu as toi, est-ce que en t'acharnant sur cette personne, en allant jusqu'à loin dans son intimité, parce que je l'ai fait aussi, hein, je ne vais pas t'accuser comme si je n'ai pas eu à le faire. Moi, mais je l'ai fait. Mais est-ce que tu ne trouves pas qu'avec du recul, tu t'es allé un peu loin? Non, d'habitude, quand je suis sur quelque chose, je pars toujours loin. Ok. Tu vois, c'est pas comme si... Quand je suis sur quelque chose, je m'en vais toujours loin. Mm-hmm. Bon, à partir du moment où c'est fini, tu vois un peu, il m'aurait vu. Ou bien il m'aurait appelé après pour dire que, gars, tu es quand même allé loin sur l'affaire. J'avais dit que oui, non, là... Non, ce n'est pas tout le monde qui appelle après, puisque moi, j'ai eu des plaintes. Maintenant, parce que le problème, c'est que... il ne faut pas qu'on se dise que... Comme tu as les relations, les autres n'ont pas. Non. Dans cette histoire, ce n'était pas une histoire de relation. Non, parce que après, c'est devenu. Parce que moi, j'ai eu Isabelle Astal. Oui, après, je l'ai offensé. Oui. Sa plainte était loyale. Elle s'était dit. Oui. Elle avait le droit de me porter parce qu'il y avait des preuves de mon attaque contre sa personne. C'était un titre personnel. Voilà, elle aussi. Mais lui moi, aussi, il a le droit de te porter plainte. C'était parce qu'on défendait une cour. Tu défendais quoi? Tu es l'avocat de la personne. Je ne suis pas l'avocat de la personne. Et quand la personne allait pas sur la ils ont bu les biens, ils t'ont appelé pour te dire que tu allais être là. Non, après là, ça ne me concerne plus. Ah bon? Mais, comme je t'ai dit, c'est une affaire pour moi. Je t'ai toujours dit, j'ai dit ça à Edgar, parce qu'il ne faut pas comprendre quelque chose. Edgar, c'est son gars du quartier. Parce qu'Edgar m'avait posé la question, que, mais tu m'avais dit que le gars s'est tombé, comment il va avoir un problème avec lui? C'est même dit que quand il peut le dire, t'avais un mec, quoi, celui que je suis en dire? Parce que là, j'ai qui un peu aujourd'hui. Donc, non. Il ne faut pas que les gens... se disent que non, on a un problème juridique. C'est un problème juridique qui n'a plus rien à voir avec le X. Je t'ai dit la dernière fois, je trouve sa femme, je lui dis bonjour. Si elle ne me dit pas bonjour, ça ne me dérange pas. Mais au moins, ne confondons pas un problème. Non, je comprends. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une dame Minasso peut intervenir là-dessus. Ouais, c'est son grand frère, non? C'est pas là. Bon, ce qui concerne. Vas-y, c'est bon. Le président Amoud et mon pote Amer Kamer. En fait, j'étais pas très d'accord des attaques d'Amer Kamer sur mon grand frère. T'es son grand frère, non? Mais si c'est long car non, t'es à côté. Élie Joy et tout. J'étais pas très d'accord, j'étais même très très partagé. Et surtout que je savais qu'il n'avait rien fait de personnel à Amer Kamer. Et j'ai fait comprendre cela à Amer Kamer et qu'il fallait vraiment qu'il présente ses excuses parce que. J'entends parler là des trucs juridiques et tout. Bon, Tata Lolo, tu as eu des problèmes avec le président Amoud auparavant. Oui. C'est pas quelqu'un de méchant en fait. Pas du tout. C'est pas quelqu'un de méchant. Pour moi, quand je vois Amel dire que bon, des trucs juridiques et tout ça, ce sont des choses que les gens, ils enlèvent, c'est là, ils annulent. Bien sûr, bien sûr, quand il y a la volonté aussi. Voilà, hein, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez, ou bien peut-être qu'il va s'entêter pour faire plaisir à certains fanatiques et tout. Qui peut-être déteste X ou Y. Donc moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Amoud, c'est notre grand frère. Il nous a invités auparavant, avec Amel Kamer. Il nous a reçus. Non, je n'étais pas parti. Avant, c'était bien avant les attaques. Non, je n'étais pas parti. Rappelle-toi. Si. Edgar, on s'était donné rendez-vous. On était ensemble. Non. Je t'ai dit, on était ensemble. La seule fois où on est parti, c'est qu'on s'est donné rendez-vous avec le mot de panne, non? Dans tous les cas, moi, je veux juste te dire quelque chose. Parce que tu es un ami et je préfère être sincère avec toi que tu dois des excuses
Je sais que tu vas le faire parce que je connais comment tu es. Edgar, donc, c'est parce que tu as pris un camp. Edgar, c'est parce que tu prends un camp. En face, ça va changer. Je sais que vous allez vous arranger. Ça va. Et je souhaite même que vous voyez en face aussi au niveau de la diaspora que vous ne vous retrouvez pas au tribunal plutôt. Ça, ouais. Ça ne m'intéresse pas. Ah, ouais. Donc, ce buzz-là et tout ça. C'est pas un buzz. Non, Edgar, le problème, c'est que. Ça ne m'intéresse pas. Parce que en réalité, vous n'avez pas vraiment un problème personnel. Donc. Je sais que c'est mon ami, il comprend. Et je sais que quand il va le voir, il va le faire. Il t'a clashé plusieurs fois. Quand on ne sait pas que Amer Kamer, lui, c'est le game. Ah, lui, donc, je me suis battu. C'est ça que pas ça parce que. L'émission, il ne savait pas ça. L'émission, si elle me concerne pas. J'ai dit que d'autres commentaires là que tu avais cité tout à l'heure. Moi, ça ne me concerne pas. Mm-hmm. C'est l'émission de. Voilà. Et Amer Kamer, on va se quitter dans peut-être 10 minutes. Hein. Mm-hmm. Merci, Edgar, pour ton intervention. Quelles sont tes relations avec ton grand frère de la Suisse, le papa des jumelles, j'appelle son nom parce que c'est quelqu'un avec qui je n'ai pas de problème particulier, mais bon, je ne sais pas. J'ai de très bonnes, du moins, j'ai de très bonnes relations avec lui. Ah bon? J'ai de très bonnes, très bonnes. Mais tu sais, le papa de la Suisse, quand il veut te classer, il ne te classe pas en parabole. Il ne parle pas. Mon problème, j'ai vu sa sortie là. Bah oui. Tu l'as fait de. Quand vous venez parler de la vidéo. De la fête de hommes noirs. Oui, mais le problème, c'est que... Il a un peu tiré sur toi. Le problème, c'est que, comme je dis toujours, moi, quand j'ai envie de m'adresser à quelqu'un, je prononce son nom. Tu trouves qu'il est lâche? Je n'ai pas dit qu'il est lâche. S'il s'adresse à moi sans parler de moi, c'est qu'il est lâche. Mais s'il ne s'adressait pas... Non, il s'adressait à toi, il s'adressait à toutes ces personnes. Parce que moi, quand j'ai envie de m'adresser à quelqu'un... Lolo, non, parce qu'il est Amer Kamer, dans des directs, tu es la seule personne... Non, mais Amer Kamer, comme c'est un champion des citations directes, peut-être lui aussi il a peur des citations directes. Non, Amer Kamer, tu es parce que dans les directs... J'aime son numéro, je l'appelle directement. Non, tu n'as pas une... Non, Amer Kamer. Est-ce que tu avais dit que tu as la vidéo? Voilà. Ben, c'est pas toi. De la sortie des hommes lois. J'ai dit ceci. Oui, je répète ce que j'ai dit. Quand j'ai reçu le coup de fil, parce que moi j'ai les connexions dans la maison, quand j'ai reçu le coup de fil pour me dire qu'il est libre, j'ai fait la vidéo pour dire qu'il est libre parce que j'avais les documents. Tu as dit que tu as la vidéo. La vidéo. Ouais. J'ai même dit que pour regarder la vidéo, il faut être abonné. Non, j'ai dit quoi? Parce que normalement. La vidéo était prévue parce que la sortie devait être à 22h. À 22h. Voilà. Et tu avais déjà la vidéo avant 22h. Ah, écoute bien. Non, écoute bien. Merci. Non, il faut qu'on soit clair comme ça. On reçoit le document comme quoi il est libre. Que la vidéo était quoi? Qui dit que le comme un document qui est sorti depuis le matin, tu dis qu'il a venu. Non, le document est sorti à 14h. Et il va être libre à 22h. Maintenant alors, non, parce que tu sais que la levée de cours, c'est quelque chose, c'est tout un truc, tu comprends. Tu étais en prison, mec, Amer. Ouais, maman. Non, mais comment quelqu'un peut dire qu'il a la vidéo? Non, j'ai dit ceci. Ouais. Je vais vous donner la vidéo à 22h. Il ne veut pas accepter que monsieur Messang Dagobert faisait allusion à toi. Lui. Il dit à toi. Voilà, j'ai dit ceci. Tu sais que s'il fait allusion à moi, il va prononcer mon nom. S'il ne prononce pas mon nom, soit il a peur de moi, soit il ne veut pas les problèmes. Oui, c'est peut-être. Tu vois, aussi dit ça, oui. Mais je sais. Vous avez écouté les audios de l'avocat. L'avocat a dit que nous avons attendu jusqu'à 22h pour la levée de cours. On nous a sorti autre chose. Mais toi, tu as dit que tu as la vidéo de la sortie qui sera au radio à 22h. Tu n'as pas pressé. Mais non, tu fais le direct avant 22h. Non, la sortie commence à la levée de cours n'est pas encore là. Allez, quoi, à l'école. Ouais. Non, tu avais dit que j'ai la vidéo. Non. Tu avais dit la vidéo est sur ma page. J'ai dit ceci. Amer, tu as dit que tu as la vidéo dans ton truc, tu WhatsApp. J'ai dit que j'aurai la vidéo. Je vais vous mettre la vidéo. Non, tu as dit que j'ai la vidéo. Allô, maman. Réalisateur, si tu peux aller sur la page de Choupi dans la merveille, il y a où de Patricia Mel. Voilà. Il y a cette vidéo-là où tu dis que tu as la vidéo. Amer, à 22h, précise bien qu'il y a 22h. Il y a 22h, comme vous n'avez pas compris. Donc, vous montrez la vidéo. Mais il s'adresse à toi, Amer Kamer. Le papa de Choupi, on revient sur mon grand frère. Non, c'est ton grand frère comment? C'est ton grand frère comment? Il est plus âgé, j'ai 50 ans, il a plus donc, ton ans. Vous êtes parenté? Oui, on est Bassa. Donc quand vous êtes Bassa, c'est ton frère. Tu protèges ton frère. Je ne protège pas mon frère. Mon avis, c'est que c'est pas entre les grands frères et les sœurs. Non, je ne protège pas mon frère. On voit ça sur Facebook. Non, je ne protège pas mon frère. Quand il y a l'argent, on a le frère. Et n'oubliez pas, hier, il était habillé en costume rose bonbon. Avec Amer, quand tu as l'argent, si on met l'argent, mais le papa des jumelles, tu vas prendre qui? Je prends l'argent. Donc ce n'est pas ton frère, maman. Mais si on met Rêve Mbiaï,
Oh, mais là, je prendrai même bien, je ne prends voilà. pas. Voilà. Ah, moi, je prends l'argent. Ce n'est pas ton frère. Bon, si on met ton enfant, on met l'argent, tu vas prendre qui? On lance la pièce. Et si on met ton frère, même père, même mère. On met l'argent. Enfin, on met l'argent. Je prends l'argent. Allez, arrête ça. Je t'ai dit la vérité, prends l'argent. Ok. Ah, laisse tomber. Je t'ai dit la vérité. Prends ton frère, viens ton frère. Massa. Bon, Lolo, pose les problèmes. Lolo, moi j'ai trois questions non, à poser revient, à ma caméra. On revient sur le cas de mon grand frère. Je dis ceci. Celui qui veut s'adresser à moi, prononce mon nom. Celui qui s'adresse celui qui s'adresse à moi sans prononcer mon nom est un lâche. Parce que ce qui est sûr, moi je ne porte pas plainte. Quelqu'un s'adresse à moi en prononçant mon nom, on va la décharger. On se fight bien. Tous les réseaux sociaux confirment. La dernière fois, je me suis passé contre lui. Je suis sorti, j'ai parlé, je suis entré, je suis resté moi tranquille. Tu allais négocier derrière. Je n'ai pas négocié derrière. Oui, apparemment, on dit que tu avais négocié. On a dit que tu as négocié. J'ai négocié comment? Que tu allais supplier derrière que, ouais, ma saint grand frère. On s'est vu au conseil de famille. J'ai dit au conseil de famille que grand frère, si t'es offensé, je te présente mes excuses. C'est tout. En bon, hein? Et pourquoi tu as d'autres personnes que tu es offensé, tu n'as pas le courage de leur demander des excuses? Tu m'as dit que j'ai offensé encore qui? Ah bon? Tu es offensé personne. Dis-moi celui que j'ai offensé. À moi qui suis devant toi, tu ne m'as pas offensé. Non, je te présente mes. Lolo, tata Lolo, je te présente mes excuses. Voilà. Tu vois ce que j'étais offensé. Ah, pardon, laisse-moi. Je te présente mes excuses. De sortir de cette studio, tu allais te mettre la caméra, Lolo, pipi. J'ai juré. J'ai juré. Tant que tu avais aussi la chance de pas faire ça. J'ai dit que même si je vois que ça n'arrive pas, même si je ne suis pas. J'ai juré que je ne vais plus jamais te clasher. Tout simplement pourquoi? Parce que beaucoup de personnes pensaient vraiment que j'ai un problème avec toi. Oh, moi, je te clash pour le plaisir. Je te clash parce que je me réveille comme ça le matin, il n'y a rien sur la tête. Il dit que bon, t'es mal. Mais tu peux demander aussi une excuse à Jukan Bindo. Ah non, lui, le problème de Jukan Bindo, il va t'expliquer quelque chose. Il est jaloux de toi. C'est pas qu'il est jaloux, il n'a pas de personnalité. On demande des excuses aux gens qui ont de la personnalité. On demande des excuses aux gens qui ont de la personnalité. Ouais. Il a quelqu'un qui a planté pour que moi, mère, quand même, je puisse demander des excuses. Jukan Bindo a trahi Edith. Il a trahi tout ce qu'il parle. Qu'est-ce que Jukan Bindo n'a pas trahi? Moi, je dis toujours un truc. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Pour que je vienne dans ton émission, je reste comme ça, dit que non. Il ne faut pas que Lolo, avant qu'elle ne décolle, il faut quand même que je dise que Lolo, maman, pardon, prends-moi dans ton émission. Enfin, moi, je vais dire que j'ai comme j'étais là, c'est le début. Wow, d'accord. Ahmed, quand même, bientôt, nous sommes à la veille des élections. Mm-hmm. 2025. Voilà. Ouais, on sait que tu es un soutien, un soutien du président de la République. Oui. Est-ce qu'en 2025, tu vas renouveler ce soutien-là pour notre part pour... pour l'instant, mon frère et mon ami Edgar Minasto, nous sommes d'abord en train de rassembler tous les patriotes. Tous les patriotes. De d'abord, de leur dire, d'abord ici en France, allez s'inscrire dans les bulletins, dans les listes électorales. Et après, maintenant, nous allons organiser une grande session pour leur donner le mot à suivre. Et j'invite même à eux, mes frères de la base de dire à tous ceux qui ne veulent pas. Est-ce que tu as répondu à ma question? Ça veut dire que... Est-ce que tu vas renouveler cette confiance cette... Le problème, c'est que pour l'instant, on ne sait pas encore s'il va se présenter. On ne sait pas encore si c'est Franck Bia ou si c'est Paul Bia. Donc, on est encore dans l'ambigu. Mais ce qui est sûr, il n'y aura pas d'attaque. Lui. Mon pouvoir ne change pas. Si c'est lui, je vais le supporter. D'accord. Donc, voilà. Bon, maintenant, il faut que mes frères de la base... C'est maintenant que le combat commence. C'est maintenant que vous devez dire à tous ceux qui sont à Paris, allez vous inscrire dans les listes électorales. Pour que vous évitez de faire subir aux artistes ce que vous ne voulez pas. Donc, Max, Calibri, tous ces gens-là, allez vous inscrire massivement. Et maintenant, je pense qu'on peut commencer la campagne maintenant. Le plateau télé est là. La dernière fois, on ne va pas dire qu'on n'avait pas de plateau télé. Aujourd'hui, on a une télé où on peut venir débattre de la politique. Donc, vous venez ici, vous nous donnez rendez-vous, on constitue notre équipe, vous constituez votre équipe, Lolo fait la bise, on vient, on débat. Vous pensez que ceux qui sont au Cameroun nous dépassent en quoi? Ça ne vous pose pas un problème que vous regardez le débat politique, vous attendez Yaoundé. Exactement. Dans la diaspora. Donc, Lolo, la balle est dans ton camp. Envoie les invitations des deux côtés et on va venir débattre. En tout cas, tout le monde est bien accueilli ici. Amé, est-ce que tu penses de la situation des Camerounais au Cameroun? Tu sais, la ménagère qui a des difficultés à remplir son... Lolo. Palier. J'étais au Cameroun. Les jeunes qui sont au chômage. Lolo, j'étais au Cameroun. La vie qui est difficile. C'est les bandits. Nous avons les accidents de route tous les jours. Les jeunes qui meurent, les gens qui meurent. Il y a des milliers de Camerounais qui meurent sur nos routes tous les jours. Il y a des enseignants qui ne sont pas payés.
il y a beaucoup de choses qui se passent au Cameroun. Des gens qui meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de moyens. Des femmes enceintes, des femmes qui ont qui sont, comment on dit, qui sont consignées dans les hôpitaux, elles sont enfermées dans les hôpitaux, soi-disant, si elles ne payent pas les droits d'hospitalisation, elles ne vont pas sortir. Lolo, que penses-tu de tout ça? Je vais te répondre à cette question. D'accord. Tu sais, Paul Biya nous a enlevé la politique dans la tête. On pensait qu'il était bête. Il avait une phrase qu'on disait que la politique aux politiciens, l'école, les écoliers. C'est aujourd'hui qu'on comprend que c'est vrai. Pourquoi? Le Camerounais connaît chercher l'argent plus que tout le monde en Afrique. Ça, c'est clair, c'est vrai. Au Cameroun, Lolo, si quelqu'un te dit qu'il souffre au Cameroun, c'est que c'est un fainéant. La plupart des gens qui se plaignent au Cameroun, Lolo, ils ont bac plus 5, plus 6, plus 7. Pourquoi ceux qui n'en sont pas allés à l'école au Cameroun ne souffrent pas? Pourquoi c'est ce qu'ils se sont arrêtés au CPE, en troisième ou en terminale? Tous ceux qui se sont arrêtés en terminale, ils ont des commerces au pays. Il y a les Bensikineux qui ont le doctorat, qui sont des Bensikineux. Ici, des gens d'une famille de chercheurs d'argent. Non, non, mais il y a la plupart des gens qui se plaignent, ce sont les gars qui sont allés à l'école, sont venus dormir à le canapé du père. Ils ne peuvent pas aller travailler pour moi. Il y a beaucoup de gars qui sont allés à l'école, Je te prends un exemple simple. Mon frère Bondé au village, il a une licence en droit. Il a son champ, il a ses deux motos, il a son bar. J'ai demandé à Bondé un jour que tu peux aller travailler pour 200. Il m'a dit que tu es fou. Que je fais comment? Il faut qu'on comprenne quelque chose. Nous avons hérité d'un pays que nous ne contrôlons pas. Nous avons hérité, non, le nom faut que les Camerounais se comprennent. Nous avons hérité de ce qu'on appelle les accords coloniaux. Allez sur Google, tapez les 11 accords coloniaux et vous allez constater que le Cameroun n'a jamais été géré par les Camerounais jusqu'en 2000. Il faut que les Camerounais comprennent, et beaucoup de Camerounais le savent. Beaucoup de Camerounais savent que les richesses du Cameroun n'ont jamais appartenu aux Camerounais. Tout simplement, le nom, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que chaque année, depuis au moins 40 ans. Bon, posez des questions à Mère Camère. Oui, je vais vous poser une question. Vous posez plus des questions à Pasto. Lolo. Pasto, c'est le Dieu. Il voit que tu laisses non, à Mère Camère. Non, non, ce n'est plus son niveau. Ça a dépassé son niveau. Tu sais. Ça a dépassé ton niveau. Écoute ce que tu dis. Non, tu depuis peux 50 pas. Ans. Non, Décom, ça, c'est intéressant pour toi. Depuis 50 tu ans. Tu racontes des est-ce que tu sais que depuis 50 ans, le ministre de l'économie vient à l'Élysée pour dire que voilà ce qu'on a fait cette année. Et c'est l'Élysée qui décide que le Cameroun aura 10 francs ou bien 20 francs. Tu savais ça? Bah, que ça fait partie des accords coloniaux. Que tout ce que nous décidons au Cameroun n'est pas décidé par le président Paul Biya. Les accords coloniaux que nous avons signés nous imposent ça. Si tu ne fais pas comme ça, tu sautes. Voilà pourquoi on a commencé à multiplier les partenariats avec les autres pays. À un moment donné, ne demandons pas. Je vais te dire, monsieur Lolo, personne ne paye la patente. J'ai 30 hectares de terrain au Cameroun. Je ne paye même pas l'impôt. Ouais, que Amen Kamel. Est-ce que tu veux me lever pour aller dire que. Amen Kamel. Amen Kamel. Prenons en compte Amen le notre quotidien. Amen tu as les champs, ta famille vit de sa famille est pauvre au pays. Si. En faisant si. Comment? Déjà dans ma famille, c'est au jour d'aujourd'hui, mon oncle, il est ici, il a été nommé ici, chef de bloc. Aucun administrateur dans ma famille, tu comprends? Je dis, Topo, est-ce qu'il travaille? Non, Amen Kamel, tu vas arrêter le mensonge. Non, est-ce qu'il travaille? Ouais. Si c'est pas, tu manques de travail pas. Je dis, est-ce qu'il travaille? Travailler comme quoi? Est-ce qu'il a un boulot? Bah non, il n'avait pas de boulot. Tu sais que les bêtises n'aiment pas le travail. Ouais, laisse. Comment est-ce que tu sais que les bêtises n'aiment pas le travail? Là, c'est le vendre les terrains à Yaoundé. Laisse, Amen Kamel. Je t'ai dit quelque chose. Amen Kamel, est-ce que tu sais que si tu arrêtes le mensonge sur la toile, la toile là peut avancer? Et, oh, regarde-moi, quand tu dis la vérité, hein? De comme il faut lire. De comme il faut lire. J'ai lu, t'inquiète pas. Donc toi, tu dis que ton oncle ne travaille pas. Tu vas discuter quoi avec lui? Il ne peut pas vendre l'eau glacée. Je suis essentiel. Non, il travaille. Non. Eh, hey, mon oncle. Oui. Mon oncle qui venait d'être nommé là. Bon, est-ce que tu as quelqu'un dans ta famille qui ne travaille pas? Lui, je vais te poser une question. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta famille qui ne travaille pas? Il a beaucoup conçu les routes. Mais alors, dans est-ce qu'il souffre? Pourquoi tu es venu dire que les gens souffrent? Je vous dis et je vous répète. Amen Kamel. Ceux qui souffrent au Cameroun, c'est ça qui ne veut pas travailler. Amen Kamel. C'est mes dernières questions. Tu comprends? Tu es conducteur de travaux. Oui. Emmanuel Macron et Brigitte Macron, voilà, ont mis les moyens en jeu pour que tu sois conducteur de travaux. Oui. Voilà, tu es parti au pays, hein, en tant que fils de la nation. Oui. Tu as aidé ton pays avec quoi? Avec ce titre-là. Ou un ingénieur, ou un conducteur de travaux. Ça tombe bien que tu me poses cette question. Je pense que tu as eu fait une formation en France. Oui.
Est-ce que la façon de travailler ici en France et celle du Cameroun, c'est la même façon? Non, non, non. Tu dis réponds tu oui le, ou non. Tu es le fils de la nation. Ouais, mon petit, réponds oui tu ou non. Tu es patriote. Tu sais, Lolo, quand Lolo, on dit on est Lolo, patriote... Lolo, hein. Tu sais pourquoi je n'aime pas souvent discuter avec des gens qui n'ont voilà, pas vraiment tu la vois donc alors, tu vois donc alors. J'ai un titre de canalisateur. Oui. Canalisateur, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, en français facile, canalisateur, c'est les plombiers de la route. Ça veut dire que notre travail, c'est quoi? C'est les réseaux humides. Oui. Les eaux potables. Ça veut dire que oui. Quoi? On creuse, c'est-à-dire que vous allez dans les routes, quand vous voyez les deux bordures là, c'est en bas, c'est là où on envoie. Je sais. Est-ce que ça n'existe pas au Cameroun? Laisse-moi l'expliquer aux autres. Ça n'existe pas au Cameroun. Laisse-moi expliquer aux autres. Oh, toi, tu connais déjà. Donc, ça veut dire que quoi? Pour l'instant, au Cameroun, il n'y a pas ce système. Aujourd'hui, l'électrification au Cameroun se fait encore en air. Au Cameroun, les AEP sont à l'air libre. Au Cameroun, on n'a pas encore ce système de canalisation où on va creuser pour installer les réseaux. Non, mais ça creuse, ça creuse. Ouais. Moi, je vois. Ça creuse. Mon petit. Vous qui partez petit, en vacances au pays, là, vous ne voyez pas, on creuse déjà. Ça tombe même, bien. Ça tombe on bien. A même ah, les gens même, viennent après, creuser. Après, je pose encore l'autre question parce qu'on va couvrir. Oui, il a les questions tous. Oui, il dit, Amé Kamer, dis-moi un peu, tu comprends? Voilà. 300 millions investis, n'est-ce pas? Le résultat, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que à partir de demain, tu peux nous publier, tu comprends, non? Les résultats, parce que ça fait au moins un an que tu es quitté au pays. Hein? Tu étais venu ici pour venir chercher les gens qui ont des moyens, tu comprends, non? Pour aller élever tes poulaillers et consorts. N'oublie pas qu'avant de venir ici, tu avais mis du coupeau au sol. Oui. Voilà, on n'a pas vu comment tu mettais les petits copeaux. Je te dis deux choses. Est-ce que le copeau là, tu comprends, non, n'a pas déjà été envahi par des charançons et des termites? Je vais te dire deux choses, Décom. Oui. Il y a une différence entre les réseaux sociaux et la réalité. Oui. Je vous fais la campagne quand je suis sur place. Quand je ne suis pas sur place, je ne peux pas vous faire une campagne. Ah, ok, tu arrêtes. Non, attends, je vais te dire pourquoi. Je ne suis pas en place et les gens sont tellement mauvais. Il suffit que je fasse la publicité du poulailler. Quelqu'un peut passer là-dedans, il envoie quelque chose, il me tue tous les poulets. La dernière fois, le moulin. Ah, on avait tué toutes les poussières. Ah non, attends. La dernière fois, j'ai perdu 1200%. Il y a peut-être 5 ans de ça aujourd'hui. De l'empoisonnement. On non, avait empoisonné. Non, quand je parle. Quand tu non, mais pas, quand tu dis quand que les, parle, gens, tu... les gens, est-ce qu'ils sont venus empoisonner tes poussins? Il y a ce qu'on appelle. Les poussins ont des maladies. Oui. Il suffit juste de prendre un poussin malade, d'envoyer quelque part, tu tues 1000 poulets. 1000 poussins. Et quand tu ne connais pas, il faut demander. Et les gens ont fait et ça. Et maintenant, je t'ai dit que j'ai perdu près de 1000 poussins. Là, il y a 5 mois, j'ai même publié ça sur mon mur. Donc, ça veut dire que quoi? Quand tu entreprends au Cameroun et que tu n'es pas là, ne montre pas. Ne montre pas. Pour une seule raison. Et déjà, si tu perds 1000 poulets sur... 300 millions investis, ça fait quoi? Dis-nous, pourquoi tu ne nous publies pas? Laisse-moi t'expliquer. Il faut que tu comprennes quelque chose. Deux fois, si ton verre est plein, tu ne vas jamais remplir. Donc, vide d'abord ton cerveau pour que je puisse le remplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je perds 1300%, c'est 1,3 million. Ça veut dire que quoi? Si tu perds... CFA. Oui, on parle en CFA. Ça veut dire que si tu perds 1,300%, 1,300%, en ayant consommé une semaine de pourvente, tu es en train de perdre facilement 2,5 millions. Et quand tu l'as passé, c'est que les gens ne vous disent pas. Et c'est là où, sauf fini tes 300 millions. Vide ton cerveau pour que je puisse le rappeler. Non, mais attends, tu vas aller. Si tu vas discuter comme ça, tu vas manger dans ton ignorance. Non. Écoute, oui. À partir de ce moment, quand tu as perdu 2,500%, dès comme tu deviens intelligent, tu vas te poser la question que pourquoi chaque fois que je ne publie rien, j'ai une bonne rentabilité, mais quand je produis, j'ai des problèmes. Ah, donc tu dis... Parce que... Non, écoute. Si tu me dis Amen, Kamer, je dis toujours non, ceci. Mais Lolo... Non, je te je coupe. Je continue. Lolo, c'est comme s'il disait quoi? Mais s'il fait la pub dans un de ses trucs, tu comprends, non? Il perd. Pourquoi? Vaut mieux ne pas parler. Donc ça veut dire, s'il parle beaucoup de ses coxos... Non, je vais te dire... Quelqu'un va venir aller introduire un coxo malade pour tuer tout. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Aussi, nous sommes à la télé. Tu as posé ton mari parti. Est-ce qu'on a fini? Tu supportes, non? Ouais, maman, tu es venu commenter ça qu'il n'y a pas une autre fille qui va prendre le temps. Et ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il faut souvent que, qu'on soit vraiment... Ah, mais quand même, si tu peux répondre sans aller loin. Parce que mais je l'ai répondu. Moi, il m'a demandé que pourquoi tu ne montres... Je m'a demandé que tu ne montres pas parce que tu ne veux pas prendre le risque. Voilà, ok. Je vais encore aller plus loin.
Ce n'est pas parce que je ne parle pas de tous les problèmes qui peuvent suivre. Tu sais, quand tu investis au village comme moi, ça veut dire que quoi? Ton frère n'a pas la même intention. Bon, quoi. Bref. Non, 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 pas de bref. Il faut que tu écoutes. Non, parce que les gens qui m'ont regardé. En gros, tu as tout perdu. Non. Avec tes mathématiques quand, quand tu regardes un gars fort comme moi, il peut perdre quelque chose. Quand tu regardes un gars prêt. Non, mais parce que quand tu nous dis ça, tu perds déjà. Mille... Si tu veux. Oh, laisse parler le professionnel. Il t'a déjà dit. Oui. Si tu veux être intelligent dans la vie, laisse aussi, parce qu'il te pose aussi les questions, non. Ah, mais il n'a pas le niveau. Non, non, comment tu dis qu'il n'a pas le niveau? Il faut des questions très pertinentes. Mais oui. Très pertinentes. Donc, tu comprends pourquoi je ne peux pas. J'ai dit. Mais par contre, si tu veux une commande, tu me dis, Ahmed Kamel, je veux une commande. Tu te dis, ok. La commande, il m'a dit que tu ne vois pas. Ahmed Kamel, tu passes une commande. Mais tu n'avais à moi, tu n'avais déjà à passer une commande pour les fêtes. Mais tu comprends? Il passe la commande ici. Ouais. Hey, tu me connais, j'ai dit, je te passe une commande. Ah, non, non, je te passe une commande. Tu sais combien? Je vais te prendre 20 poulets. 20 poulets pour les fêtes. Envoie l'argent alors. Ouais. Yando. Attends, tu es l'endom. Tu es l'endom. Attends, tu es l'endom. Dis-moi le prix. Tu prends la commande de cam. Dis-moi le prix des 20 poulets. Dis-moi le prix des 20 poulets. Le poulet, c'est 15 000. Et là, je vends le poulet à combien? Mais Lolo. Lolo, par contre, c'est des gros poulets. Les poulets camélades. Aussi, as-tu un sac de gars? Non, non, par contre, c'est des gros poulets. C'est un politicien. Par contre, c'est des gros poulets. Non, 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 non. Non. Par contre, c'est des gros poulets. Non, par contre, c'est des gros poulets. Non, pasteur, tu as fier ma mère, ta mère. Non, non, mais attends, non, Lolo. Lolo, par contre, c'est des gros poulets. C'est pas des petits poulets. Par contre, c'est des gros poulets. Même quand tu vas au marché, là, on voit les poulets. Tu as vu tes poulets. Regarde les pieds. Il veut 20 poulets. Voilà. 15 000 fois 20, ça fait 15 000 fois 20, ça fait combien? Ah ben, quand même, tu sais, je suis capable. Mais alors, hein? Ça fait 300 000. 300 000. 300 000. Tu peux me livrer ça quand? Mais quand tu peux livrer quand demain. Non, mais demain, tu envoies quelqu'un au village et quand. Bon. Non, c'est pas l'argent que tu voulais prendre. Non, mais c'est l'argent. Ça fait 450 000. Attends, attends. Moi, il te donne mon code, hein. Il te donne mon code. Et demain, je remonte sur. Tout ça, tu n'as pas l'argent. Je remonte sur Paris, tu me donnes ma carte. Je veux quoi avec ta carte? Mais attends. Comment? Je veux... Donc, je veux l'argent. C'est une carte noire. Carte noire. Voilà. Ma femme a une carte noire. Eh. Voilà ma ça. Carte... Ma femme a une carte toi, noire. Toi, tu as une carte noire, mec. Non, moi, c'est un petit banquier. Voilà ça. Ouais. Dis, va avec ma carte. Allez, ça, donc, sors je veux 20 poulets. Sors l'argent. De comme si tu devais te chercher demain. Demain, on va se voir au resto. Si, te cher... si demain, tu n'as pas l'argent. Il faut retirer. Ouais, j'ai bon, dit, voici la carte. Super. Bon, oui. Ahmed Kamel, tiens pour les questions. J'ai juste l'affaire de route. Il y a le petit Zizou qui a fait une sortie là. Qui dit que la route tue les gens au Cameroun. Toi, tu dis qu'au Cameroun, non, tout est bien. Non, j'avais déjà fait une première sortie sur ça par quand Kabel Nandjip était mort. J'avais dit que non, le gouvernement, arrêtez de dire que les routes tuent. Mm-hmm. C'est le gouvernement camerounais qui tue les gens. Mm-hmm. Ce n'est pas la route qui tue. Donc, j'avais déjà fait une première sortie quand Kabel était mort. Aujourd'hui, Zizou le fait pourquoi? Parce qu'il veut le buzz. D'accord. Il faut quoi? Il faut qu'on différencie. Donc, tu penses qu'il ne sensibilise pas? Il non, fait il est là le pour buzz. Le buzz. Il veut faire tourner sa page. Okay. Mais si vraiment on veut sensibiliser les Camerounais, les 300 qu'on commence d'abord à dénoncer d'abord le ministre des Routes. D'accord. Monsieur Nganou Djoumessi. On finit. Envoyez-moi son dossier, moi, et finis avec lui. C'est vrai que, voilà les dossiers que j'attends sur ma table, je charge. D'accord. Et le pasteur supérieur, oui. Toi, en tant que blogueur, tu fais les lives tous les jours. Qu'est-ce que tu penses de la vie au Cameroun? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont... On dit qu'il y a des 8 000 personnes qui ont traversé la Méditerranée pour l'Italie. Il y avait beaucoup de Camerounais qui sont au désert, qui fuient le pays pour chercher un avenir meilleur. À cause des Ahmed Kamel. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire qu'on est Ahmed Kamel. Oui. D'après toi, sais, que tu étais fan avant. Tu sais, Lolo, il y en a beaucoup qui voyagent parce que sa voix, tous les jours, on les envoie, tu comprends, dans des toffes en cours blanc et qu'on sort. Tu comprends? Voilà. Il y en a qui voyagent pour ça, pour venir aussi faire ça. Tu comprends? Il regarde, il suit tous les vendeurs de rêves. Voilà. Parce que la plupart des temps, tu comprends, non? Les gars du pays sont influencés, tu comprends, non? Par ces cours blancs-là.
Tu comprends? Parce que quand tu suis... Le poulet 15 000, c'est la chèvre. Il y a les commandés. Il est dit que... Pardon, parce que le poulet 15 000, c'est la chèvre. Il te dit que... Amen, Kamé. Non, Amen, Kamé. Il avait dit que c'est Kamé. Ça fait longtemps qu'on est parlé au Cameroun. Il avait dit... Il n'y a plus le poulet de lui. Il dit que... Alors, je vous parle. Man, il n'y a plus le poulet de lui. Le poulet au Cameroun, c'est 10 000. Quand Amen, Kamé dit que... Le directeur du groupe Carrefour, Flore, le directeur du groupe Carrefour m'a appelé pour que... Pour souvent livrer... Pour livrer 500 poulets par semaine. Je regarde le petit poulailler dans mes caméras. Je te rappelle que j'ai trois poulaillers au village avec une capacité de 400 mètres carrés. Non. Donc tu l'appelles le calcul. Non. Quand tu ne connais pas l'élevage, laisse. Je t'ai déjà dit que tu ne dois pas manger dans ton ignorance. Donc voilà. Que... Il dit que... Le pasteur supérieur est... Tu te plains beaucoup des blogueuses sur la... On parlait de l'affaire de la vie au Cameroun. Que dis-tu? Oui. Non, mais je suis en train de dire, tu comprends. Voilà. Bon, allez, dites parce qu'on a plus assez. Moi, quand je vais au Cameroun, maintenant, il y a l'argent. Quand tu as ça, tu comprends? Quelqu'un comme Amen Kamé peut réussir au pays, tu comprends? Tu vois, Amen Kamé, c'est quelqu'un de créatif et clair, tu comprends? On parle de ceux qui sont au Cameroun. Non, 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 mais je suis... C'est justement, je prends un exemple. Mm-hmm. Lui, il était au Cameroun, non? Mm-hmm. Tu vois, quand il avait commencé son truc-là, tu comprends, non? Mm-hmm. Voilà. Il y en a qui sont venus profiter de ce qu'il faisait. Mm-hmm. C'est parce que j'ai toujours dit quoi? Si vous dites que quelqu'un manque, quelqu'un va venir vous dire que voici mes maisons, j'ai construit. Au lieu de venir dire, il manque, tu comprends, non? Faites la même chose. Prenez ça, vous faites ça en vrai. C'est la fin qui justifie les moyens, tu comprends? Moi, je dis ceci. Amen Kamé, c'est quelqu'un, s'il allait, tu comprends, non, au bout de ses inventions, de ses créations, tu comprends, non, c'est que c'est un gros monsieur. Il commence, tu comprends, Amen Kamé, il peut commencer 5 trucs à la fois. Et il suit les 5 à la fois. Tu comprends? Il ne se concentre pas sur une chose. C'est mon don. Non, 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 non. Non. Et le don, là, c'est un mauvais don. C'est ça qui te... Oui, oui. Non, mais c'est une vérité. Hein. On ne peut pas suivre. Tu ne peux pas venir. C'est toi qui suis le verre. C'est toi qui suis la bouteille. Non, non. Concentre-toi sur un truc. Tu comprends? Non. Voilà. Et tu avances. Est-ce que c'est de ma faute si on m'a donné un cerveau qui non, fonctionne vite? Et c'est ça. Alors... Tu me condamnes parce que je suis intelligent. D'accord. Non. Bon, bref. Supérieur, donc, c'est pour dire quoi? Mm-hmm. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Pour moi, tu comprends? Il faut se battre. D'accord. Il faut que les gens au pays comprennent que il n'y a plus de différence entre l'Europe et l'Afrique. Mm-hmm. Ça, c'est une vérité. Très bon, monsieur. Quand je vais au Cameroun, je vois les petits débrouillards. Quand tu vois quelqu'un sans confiance qui entre au bar, qui donne à boire hein, pour 50 000 aux gens. Tu comprends? Les Bentikineurs que vous voyez là, Ben Moani, font des réunions. Il suffit d'être organisé. Hein, vous comprenez un peu. Voilà. Moi, bientôt, je vous dis ça, moi, bientôt, je pars au pays. Ce n'est pas comme Amen Kamé, lui, il était parti. Tu comprends, non? Moi, j'irai au pays, je vais apprendre les postes à souder. Je descends au pays. Tu on a vu ce que tu as fait quand tu es parti au Cameroun, tu as offert les... À Grand Baraque, je suis allé... J'avais fait une vidéo à Sifa. Quand il avait récupéré Jean Grand Baraque, j'ai dit, n'oublie pas, il ne faut pas seulement la Samania, n'oublie pas que tu avais trouvé le Grand Baraque. Il avait un métier, tu comprends? Voilà. J'ai envoyé la vidéo à Sifa que bon voilà, j'ai de quoi donner à Gambara ma pauvre petite contribution, tu et comprends? Tu l'as fait. Voilà. Mais lui, il ne m'a pas calculé. Tu comprends? Il ne m'avait pas calculé, Sifa. Donc ça fait quoi? J'ai dit à mes followers que voilà, ne vous inquiétez pas, j'irai le faire. Même comme ça avait plus du temps, je suis parti. Tu comprends? Je suis parti. J'ai donné le matériel, les cagoules électroniques, voilà, les chaussures. De sécurité, même il y avait même ta chaussure, oui, si, même là-bas encore. En tout cas, le pasteur, pour moi, c'est un exemple. On va bien voilà. Le prendre et partir. Voilà, bon.
Et quelles sont tes relations avec deux ou trois blues? Je vais dire avec Afam aujourd'hui, tout est bien. Non, Afam, c'est mon petit. Afam, c'est mon petit, tu comprends? Antoine Bachot aussi, c'est bon. Antoine Bachot, c'est mon grand, tu comprends? Avec, mais le problème, c'est que quoi? Le problème, c'est que quoi? Je n'aime pas les pleureurs. D'accord, et avec. Bon, on va laisser. Je ne vais pas citer ce que tu n'aimes pas. Parce que tu sais. Non, ce n'est pas que je n'aime pas. C'est la malhonnêteté que je n'aime pas. De tu qui comprends? Par un exemple. Voilà, Dangereux Black. Non, mais c'est oui, non, non, j'ai dit. Non, 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 oui, non, c'est moi, je suis parti prendre. Oui, j'ai dit tu comprends, non, Lolo? Non, 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 Lolo, je suis obligé. Tu sais, moi, je suis comme ça, tu comprends? Mm-hmm. Quand je mets mon cœur sur quelqu'un, tu comprends? Et que, en retour, n'est-ce pas? Tu me fais l'anguille. Je laisse, je supporte. Mais attends, méfie-toi. D'accord. Tu comprends? Maintenant, je parle des blogueurs. Des blogueurs. Pour les lives. Voilà. Tu sais. Quelqu'un que tu n'apprécies pas beaucoup. Non, 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 non. Quelqu'un avec qui tu n'iras pas au restaurant un jour. Non, il y en a. Je ne peux pas. Avec la qui? Façon que je suis avec toi, tu comprends? Mm-hmm. Je ne peux pas être avec les autres. Avec qui? Voilà. Les hommes, mais pas les femmes. Un homme. Un homme. Mm-hmm. Un homme. C'est fini avec du Cambino. Mm-hmm. Voilà, des un. Parce que du Cambino. Il n'est pas tout blogueur. Hein, non, il est fou. Il est fou. Tu comprends? C'est quelqu'un qui peut te faire la lâcheté, tu comprends? Mm-hmm. Voilà. C'est comme, par exemple, il peut, Julie. Moi, j'ai parlé à Julie, j'ai dit, t'inquiète pas, je viendrai avec Amer Kamer. Tu comprends? Même quand je frappe du. Parfois, je frappe du Kamer pour Amer Kamer. Mm-hmm. Tu comprends? Bon, donc, au fait, j'aime mes soeurs. J'ai mes frères, mais dans notre game, je suis obligé, tu comprends? D'être avec moi, est-ce voilà, que c'est un voilà, tu as voilà. Tu comprends? C'est comme ça. Mais oui. Non, et Amer Kamer, chez les Patriotes, tu t'entends avec Edgar qui est là. Moi, je m'entends avec ce tout le monde. Ce n'est plus ça avec le commissaire. Non, je m'entends avec le commissaire. C'est pas parce que de temps en temps, je vais titiller le commissaire parce que bon. Qui encore En gros, j'ai pas d'ennemis dans le game. D'accord. Donc, même pas, avec. Que ça soit homme comme femme. Non, non J-Point, j'apprécie. J'adore mais la narration. Il était encore fan, toujours. Oui, non, j'aime bien. Je vais te dire un truc. Moi, j'apprécie J-Point, pourquoi? Quand le gars te tape le Congo, ça. Il dit que J-Point peut prendre une histoire. Il te pose là. Il te raconte l'histoire. Tu peux avoir le film. Tu dis que non, il prépare encore ce que J-Point a raconté. Le gars, le talent. C'est-à-dire que s'il y a un blogueur qui me dépasse dans l'art de la narration. Il est blogueur ou il est influenceur? Mais il est influenceur. Étant donné que son YouTube paye, son Facebook paye, mais il est que dans ça. Donc, en matière de narration, J-Point, je lui donne le tchaka. C'est-à-dire, je lui dis, non, le gars est fort. Il est bon. Bon, maintenant. Calibre, Calibro. Non, Calibre, Calibro, bon, il faut que le seul conseil que je vais donner aux autres blogueurs, il n'y a pas que la politique dans la vie. Quand la politique finit, entre dans le Congo, ça. Mais vous êtes tous dans le Congo, ça, aujourd'hui. Maman, quand je disais... Non, c'est Amer Kamer qui est bien entré. Les autres... Mais les autres sont dedans aussi. Hein? Oui, quand ils sont dedans, mais... C'est Amer Kamer qui avait bien réfléchi, tu comprends, non? Parce qu'il faut comprendre une chose. Parce que quand le combat était fini, tu comprends, Amer Kamer a su s'intégrer, tu comprends, non? Exactement. Les gens doivent comprendre une chose, c'est que tout ce que nous faisons, nous sommes des haut-parleurs. Donc, les réseaux sociaux, c'est de l'argent. Je vous ai dit tout à l'heure, blogueur, c'est un métier. Ce n'est pas tout le monde qui a ce don-là. Il y a beaucoup qui vont essayer, ils vont te dégoûter. Parce qu'ils n'ont pas... Un gars comme Djukaminto, il n'a pas le don. Non. Il n'a pas le don. C'est quelque chose que, quand tu tapes les commentaires, c'est à toi. Il y a des fois, on ne fait pas les lives. Lolo peut témoigner. On t'appelle pour te dire que tu n'es pas en live. Pourquoi? C'est clair. Tu vois, il y a un dossier dehors. Et c'est ça. Donc, ça dit que nous avons reçu quelque chose, on exploite, mais s'il vous plaît, de grâce, quand on est en live, envoyez les étoiles. Il n'y a pas de honte à envoyer les étoiles à quelqu'un. Vous pensez que vous ne nous envoyez pas les étoiles? Non, mais c'est du Cambino qui a fini, c'est-à-dire qui a tué cette histoire-là, parce qu'il devenait déjà sorcier. Tu comprends? Non, mais c'est une vérité, parce que lui, il devenait déjà sorcier. Tu sais, Amer Kamer, je peux comprendre, Lolo a son noyau. Les fleurs de l'île, fleurs de la sont le noyau, bon, l'eau que ça n'existe plus, tu comprends, non? Voilà. Je n'ai pas encore compris. Mais toi qui profites des noyaux des autres,
tu veux conditionner les gens, mettez-moi un peu d'étoiles, sinon je ne parle pas. Mettez, c'est-à-dire, le langage est tellement minable. Mettez-moi un peu d'étoiles, mettez-moi un peu d'étoiles vous-même. Mettez-moi les étoiles, tout simplement. Mais quand tu dis mettez-moi un peu d'étoiles, c'est minable, non, mes gens. Mmh. Okay. C'est minable. Okay. Donc, Lolo, je voulais aussi dire, nous sommes là sur la toile, nous sommes mélangés, ok? Il y en a qui disent qu'ils ont bon cœur. J'espère, tu sais très bien, j'ai une association, les Décomés. Oui. Voilà. Et ce n'est pas que c'est une petite affaire. Est-ce que vous me voyez sur la toile, là, boum, 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 boum? Non. Tu comprends? Il dit légaliser. Légaliser. Nous avons commencé pour... Ce n'est pas grand-chose. Hein. Ça veut dire au moins ces enfants... Hein, les enfants. Oui, qui n'ont pas cette chance-là le jour de Noël, avoir un jouet comme... Tu comprends, non? Mm-hmm. On ne veut pas venir là dire que oui. Donc, de Komamugu a une association, n'est-ce pas? Mm-hmm. Voilà. Et déjà, il ne parle pas clou-clou, je ne viens pas... Hein, mais quand même, c'est la première fois que vous m'entendez parler de ça, tu comprends? Alors que... J'ai tout, tu comprends, non? Que ce soit les visites dans les orphelinats, que je peux montrer aux gens tous les jours pour essayer un peu de gratter, non, non, non. Moi, je suis quelqu'un des anciens. J'ai une association qui s'occupe des orphelins. Mm-hmm. Voilà. Donc, pour la cette fin d'année, tu as mis... Non. Tu ne sollicites pas l'aide des... On va aller vite, on va dire. Non. Parce que l'année prochaine... Le réalisateur nous dit que ça va se couper. Oui. Bon, je voulais dire une dernière chose là. Oui, Ahmed. Donc, oui. Tu sais que la semaine, j'ai dormi dehors deux jours. Mm-hmm. Donc, ma chérie Oshiga a été présente, mais c'est sûr, la prochaine fois qu'elle est dormie dehors, je vais t'avertir. Mais c'est... Ahmed, avant de se quitter, je sais que tu avais parlé de ce qu'il y a Oshiga. C'est un couple glamour, c'est le couple, le premier couple. L'essai de ménage, non. Dans notre monde, la diaspora. Et pour nous, ça sera un honneur que, pour la première fois, on voit un bisou en direct. Voilà. Là, je remercie, attends, on va couper. Je remercie toutes ces personnes qui étaient connectées. Du coup, vous étiez plus... Et l'internaute, hein? Quand j'étais à notre émission, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Voilà. Avec des nouveaux invités. Ahmed, Kamel, tu reviens quand tu veux, parce que si je suis... Va nous faire un bisou. C'est nous que Dougoutini. Pasteur supérieur, tu reviens quand tu veux, tu es sur toi ici. La manique de la musique de Maman Africa. Carona, elle est carrelée jusqu'au millième, non? Tu m'envoies le lien tard, Maman Africa. Bella, je te laisse la place, tu es trop belle. Ouh là 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 là. Voilà. On a le même temps. Maman, exclusivité, maman. Tata Lolo TV avec ta Le bisou. Toujours. Comment entendre la photo là? Mon père ne dort pas encore. Ah, je laisse avec toi, c'est comment? Mon père ne dort pas encore. Mets-toi à côté, Ahmed. Mon père ne dort pas encore. Mon père sait que je ne fais pas les choses. Ahmed, il sait que tu fais ça. Non, ton grand frère est là. Mais si tu casses le lit, c'est que tu fais le bain avec aussi. On ne veut plus ça. Ton grand frère, regarde. La vérité va sortir. Voilà. Tu dis que les filles, on se dit aux filles que non, j'ai fait le buzz avec ces femmes. Mais dis-là, si vous envoyez encore, c'est la fin de l'émission. Si vous envoyez encore 5000 étoiles. Ahmed, c'est que c'est la fin de l'émission. Les appareils sont fatigués. Non, envoyez les appareils sont fatigués. Les appareils sont fatigués. Attends, je me mets là, vous comprenez bien. Envoyez 5000 étoiles. Et si vous n'envoyez pas, Renke, Ankaïman, Renke. On va embrasser. Mon père est là-dedans. Non, Ahmed, laisse ça. On va embrasser. Mon père voit ça. Tu as menti aux filles quand tu ne sors pas, moi aussi, après c'est le buzz. Aujourd'hui, on va profiter de l'hommage là. Éric, on veut embrasser. Tu vas embrasser. La bise, c'est 5000. Embrasser, c'est 15 000 étoiles. Ça veut dire quoi? Mon père regarde la télé. Ah, mec, arrête. Mon père ne voit jamais du pompe. Le gars, c'est... Il est riche. Jamais, il est mabé. Non, la télé de là. Regardez. Bon, comme on n'envoyait pas les... On envoyait ça avant, c'était avant. C'était avant. Ça, c'était la surprise de la soirée. Ah bon? Bon, on va seulement faire la bise alors. Comme vous ne voulez pas, on va seulement faire la bise.
Ouais, moi, mes deux m'envoient les étoiles. C'est moi qui mon téléphone. Hey, maman 500. Hey. Voilà. Voilà, tontinet. Voilà, tontinet, quand il y a 500. Tontinet dansé. Tontinet. Il manque 4500. Non, ils avaient déjà mis. Comment tu veux dire? Non, ils ont mis les étoiles là, non. Mais non, 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 ça, c'est honte. Ça, c'est le bonus. Elles ont comment mis avant. Elles ont mis. Non, il fallait qu'on dise ça. Avant. Non, il fallait qu'on dise. Tu sais qu'ils ont mis ça avant. Non, il fallait qu'on dise. Ouais, ma bipé, bipé. Vonvon n'est pas là. Vonvon. Vous ne voulez pas la bise. Bon, Nouba n'est pas là. Maintenant, chaque 500, je commence à me diriger vers la centrale. Je dis, comme il a envoyé 500, on est quand même pour 500. Ça, c'est pour 500. C'est quoi ça? C'est pour 500. C'est quoi? C'est quoi? Le gars, c'est même comment? Ouais, il a encore envoyé 500. Avant, il a 1000. Bon, à côté, il a la bouche. Ouais. Au pire, le livre vous dit. Le gars, c'est marrant, hein. Au fur et à mesure, il y a la peau de la bouche, hein. Ok. Voilà. Ok. Comment? Il y a un carré là, hein. Bah, ça, sans confiance. Bon, quand vous le voulez, quand vous êtes allé au carré là, bon. Non, attends, ils vont mettre ça. Moi, je connais mes lots. Hey. Voilà, voilà 1000. Hey! Attendez, c'est de l'autre côté. C'est l'autre côté. Voilà, déposer 1000. Ok, voilà. Non, mais on ne voit pas. Tu vas embrasser. Okay. Comment il doit embrasser comme ça. Ça va être à 2000. Ça va être à 2500. La bise, c'est 5000. Embrasser, c'est 10000. Ça va être à 3000. Non, 2500. Comment 2500? Ça va être à 3000. Attends, parce que je regarde là-bas chez toi. 3000, ouais. Ça fait à 3000. Comment ça fait 3000, Marc? Ça fait 3500. Ça fait 3000, ça fait 3000. Non, on compte mal. Non, on compte bien. C'est que tu as vu là, c'est pas 500. Voilà, ça fait 3600. Ça fait 3000. Non, 2600. 3100. Ça fait 3100. 3200. Ouais, 3200, voilà. Hey, 3700. 3700. Vlom, vlom. Bomble, 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 vlom, vlom. Hey. 3800. J'en veux le nouvel. 3800 plus, ça fait 4000. 4300. 4300. Qu'est-ce que c'est ça, hein? Ouais. Tu sais que les Lomas vont donner ça, tu ne connais pas bien. Ils sont beaux, hein? Ils sont beaux capturés comme ça. Là. Ça fait combien? Pas que ça. Ferme les yeux. Ça fait à 5000. Bon, quand on a envoyé 5000 étoiles, vous avez la bise. Non, jamais avec un bon argent. J'ai dit 10 000 à mon père. Non, mais quand même, je refuse ça, tu n'es pas mon père. Mon père le donne. Non, tu l'as menti tout d'abord. Non, j'ai dit, c'est la bise, c'est 5000. Non, mais aussi, gars, il te suit. Tu veux pas ma fille? Non, 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 refuse de l'autre là. Sur le plan. Chérie. Aussi, il te suit sur le plan. Eric, comment? Ma chérie. Il te manque. Il veut pas t'afficher devant les gens. Mon père ne dort pas. Ton père dort. Mon père. Il est là. Pas mon père qui a écrit là. Allez, ça, mec, comme elle. Bon, ma chérie. Tu n'assumes pas ta vie. Tu n'assumes pas ta vie. Eh, moi, j'ai fait la bise alors. Comment? Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Non, jamais. Moi, même, j'ai rien fait. Je n'ai pas le fait. Je n'ai pas le fait. Moi-même, je peux faire ça de comment. Non, tu vas faire ça. Je peux faire ça de comment. Non, tu vas faire ça. Allez, ça, dis donc. Eh, ma chérie. Tu vas faire ça. C'est quoi? Aïe, ma chérie, non, c'est lève-nous. Lève, tu lèves. Attends, non, c'est écrit. Ça donne deux. Allô? Ivi Oshiga. La mort maintenant. Non, c'est pas grave. Mon père dort. Mon père ne dort pas encore. Chérie, tu sais comment on est joué là-bas? Embrassez, vous dites. Non, on ne peut pas s'embrasser. On m'observe. On m'observe mal à vie. Mon père dort. Embrassez, amen. Foncez sur le gars là, non, ma. Mon père ne dort pas. Mon père ne dort pas. Moi, tu peux se rendre compte que les filles vont me léguer sur Moumou. Mais aussi la tu es timide, c'est quoi? Seigneur, oh oh. En bas, tu vas t'attendre là-bas, bas ton gars, finis avec un gars là, petit gars. Finis avec les filles là. Comment tu veux me garder l'émission? Finis avec un gars là. Toutes les filles qui te diaguent là, mon frère. Les filles là, diaguent à mec, c'est lui qui fait le modèle. C'est pas grave, tu sais que ta mère, c'est pas que tu fais ça. C'est ça. Fais le bisou. Petit pays. Fais le bisou. Non, c'est pas encore le bisou. Non, je mets comme ça. Petit là, pays, voilà. Regarde. Non, t'es okay. Petit pays, regarde. Fais la bise, non. La bise, pour 5 000 étoiles, on fait seulement la bise. On ne met pas la langue. La langue, c'est 10 000. Il est dédié. Oshika, toi, que ma caïenne est Zigli. Zigli. Moi, tu m'as suivi. Hein? Tu m'as suivi. Ah, comme c'est l'air. Voilà, tu es sexy, maman. Hey. Viens t'asseoir, Suli, non. Je t'assure. En tout cas, merci à tous les Lomaya. Maman a fait que la prochaine fois, je vais mettre ta chanson parce que là, on n'a pas donné ça. On n'a pas donné ça à temps à la technique.
Merci, merci. Maman Afrika, comment est-ce qu'on peut mettre Maman Afrika? Chihuahua, voilà, c'est devenu un peu tard. J'appelle Nelly dans notre extravagance à devenir sa meuf, je nous viens dessus le plateau. Avec ta petite chaise, c'est pas grave. Hein. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Il y a Patricia Nana qui appelle là. Pat, tu dis quoi? Allô, Pat? Voilà. Allô? Allô? Oui. Coupe un peu le son. Oui, tu es sur haut-parleur. Et il faut dire à Mekame de respecter Oshika. Il a eu la femme de sa vie, c'est-à-dire la vie. Et un homme a eu une fois, il rencontre une seule fois la femme de sa vie. Et on a vu comment Oshika a apporté une souris, c'est-à-dire elle a égayé son visage. Je ne sais pas. C'est la femme à Mekame d'arrêter le djoum-djoum. Je t'ai dit. Et de se concentrer, de se respecter. Tu veux t'asseoir? Non, non, parce que tu peux l'inviter. Il comprendra qu'il a perdu la femme de sa vie. C'est ça. Qu'il arrête le djoumloufement. Comment qu'il fait pour une fois qu'il se concentre sur cette fille-là et puis qu'il construit sa vie avec elle. Parce que les gars camerounais sont tous comme ça. Attends. C'est quand la fille va glisser dans ses mains comme le cuit qui va être en train de pleurer partout ici sur la terre. C'est clair. Et maintenant, quand vous êtes dans le pampier, on a chiffre. Le président Mota dit qu'on a chiffre. Mais là, les blancs sont là pour nous consoler. Il pleut du volet. On fait les scènes de ménage. Et nous alors? Maman. L'angassi, il y a moi, mec, quand même. Maman, pour rendre le gassier. Mal. Hein. On ne peut pas. Mal. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui m'ont donné les étoiles. Merci à tous ces personnes qui étaient connectées. Je n'ai pas préparé cette émission parce que je n'avais pas vraiment le temps. Les questions venaient comme ça. Non, même le total Aline Zomononga. Ah oui, avant là, c'est le président.